Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais à mon premier rassemblement automobile. Le rassemblement s'appelle Gentleman Driver, c'est à Beaucroissant vers Voiron pour ceux qui connaissent, sinon c'est pas très loin de Grenoble. On attend à peu près 300 voitures pour 1000 personnes, c'est beaucoup mais ça va être cool. Il y aura de la supercar, de la classic car, en tout cas ça va être varié et c'est cool. J'attends un ami à moi qui a une Peugeot RCZ R pour m'amener au rassemblement et franchement je suis très content, merci à lui. Je suis tout content de vous partager ça, ça va faire une autre expérience et un autre type de vidéo que les car spotting et les présentations et j'espère que ça va vous plaire. Alors là on est dans la Peugeot RCZ R avec Mickaël, merci encore à toi. Bonjour à tous. Direction Beaucroissant au rassemblement, ça va être super. Sort de la Peugeot RCZ-R. Déjà le rouge il est magnifique, les jantes et les petits étriers rouges, vraiment pas mal. Elle est vraiment super belle. On fera une vidéo plus détaillée dessus. J'aime vraiment bien. Voilà, 270 chevaux, petit aileron aussi, parfait. Deux petits pots d'échappement, très classe. Dans le bouchon de supercar, c'est 63. Il y a vraiment de tout. Merci à la goût là-bas. Oh. Ça arrive de tous les côtés. Merci à la goût, tout là-bas, on la verra tout à l'heure. Incroyable. Ah, ça va vraiment être tout rempli, on va avoir vraiment une variété de voitures hors normes. On va avoir toute la lignée de voitures. Laisse tomber, ah, c'est incroyable. Il y a vraiment de tout et ça c'est cool. Oh, cette Lotus elle est rare. Oh j'adore. Oh Huracan Spider. Donc là on est en train de se garer. Il y a vraiment de la diversité sur toutes les voitures. Un collègue à nous, très belle Clio. La journée s'annonce vraiment lourde. Donc ça commence par là. On a vraiment pas mal de voitures. GTR, RS3. Cupra, V8 Vantage, 600 LT. Par contre, en orange, jante grise, elle est vraiment très classe. Elle est superbe cette voiture. Étrier orange aussi. L'intérieur, tout bas. Je sais pas si on voit à peu près. C'est incroyable. Surtout ce gros aileron, cet arrière juste sublime. Alors, on va voir des dingueries aujourd'hui. Je vous le cache pas. 118 Boxer S, Huracan LP614, Spider, dinguerie juste somptueux. Vraiment très classe. Il y a vraiment un tout type de voiture. R32 aussi, pas mal. Jante en rouge. Je vais pas tout vous montrer non plus, sinon on y passe des plombs. Mais voilà, 4C, R8, Lotus, Alpine, Focus RS. J'ai oublié le nom, mais elle est très rare. C'est la première fois que j'en vois une. Ah oui, voilà. 340Z. Regardez l'intérieur quand même. C'est fou, hein. Il est tout petit. Des petits sièges, un petit volant. Moi, j'adore. Hein. Moi, je trouve ça sublime. R8, V8. R8 aussi. Il y en a pas mal aussi, des R8. R8 là-bas aussi, là-bas. Partie un peu américaine, c'est plutôt cool. On a aussi une jolie M4. Aileron en carbone. Par contre, les jantes sont super belles. La couleur aussi, franchement pas mal. Aussi quelques
quelques françaises, notamment la Renault Mégane, aussi pas mal de Ford, des Focus RS, ancienne génération, nouvelle, R32, RS3, Honda, Civic Type R. Ensuite on continue toujours, Huracan Performante, F-Type SVR, il y a deux Murcielago. Ah, la noire est plus belle, hein. Il y a une Pista aussi. On est plus proche de Murcielago du coup. Ah, vraiment incroyable ces voitures. Le combo des deux, le design des phares, vraiment très classe. Les jantes aussi. Putain, en noir elle en jette. Hein. En blanc aussi. Dites-moi si vous préférez en blanc ou en noir. Ah, moi je pense en noir, ça fait plus Batman. C'est vraiment très classe. On a la SVR de MCV Collector qu'on a vu déjà pas mal de fois. Regardez l'arrière. Impressionnant. Double pot d'échappement, aileron en carbone. On a aussi les Huracan Performante. On a déjà vu pas mal des Huracan Performante. Après voilà, jante noire, tri rouge. Vraiment très belle. L'aileron forgé, en carbone forgé, et aussi le diffuseur arrière. Huracan Evo qui vient nous joindre au milieu des Ferrari. Je vais te décaler. Oh, dans le même côté, en épis, ouais. Pareil, marche arrière et... Alors on fait du bruit, il y a une résonance très forte. Impeccable. Vous pouvez pas la louper, hein, 488 Pista. Avec ce capot qui descend vraiment. Côté California, Turbo qui vient de se garer. Vraiment, c'est la Pista qui nous intéresse. Des détails qui tuent vraiment, elle est incroyable. Une Pista, ouais, elle est vraiment belle. Là, on peut remarquer le moteur très visible avec cette date. Une, deux, trois Scuderia. Ah, je préfère en rouge qu'en noir, personnellement. Vraiment la lignée des Scuderia. Super classe. Il y a tellement de voitures que j'ai jamais vues ici. Là, on a une F430, une 458 Italia, F430 aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça, j'aime bien. Genre dans d'anciennes Ferrari. Balade autour des voitures, Panamera, Alpine, R8, on a des 350Z, Focus RS, demi Porsche, Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio. Regardez, on a cette turbo pack Techar. Ok, pourquoi pas. On a plein d'éléments en carbone, surtout le capot en fait, en carbone. Et l'avant aussi. Incroyable. Il y a vraiment de tout. Ça, c'est cool. Des Camaro, des Mustang, des Mustang, des Mustang. Ouf. V8 Vantage. Alors ça, j'adore. Alors. Oh, vous savez mon amour pour les Aston Martin, mais là, qu'est-ce qu'elle est belle.
on voit pas trop, les vitres sont un peu teintées. Mais oh là là, surtout avec une belle config, une jante grise, c'est plutôt cool. Ah non, elle est vraiment très belle. Oh, j'adore. D'autres voitures nous ont rejoint. Alors celle-là, je sais pas ce que c'est. Celle de Romuald, ouais. Par contre, celle-là, je sais pas du tout ce que c'est. Et on a la pista de Romuald en blanc. Elle est quand même mieux en blanc qu'en rouge. Toujours le moteur. Incroyable, elle est vraiment stylée. Logo noir, ça aussi. C'est vraiment très très stylé. On a vraiment de tout. 488 Spider. Ah, il y a une Gallardo aussi. Une Gallardo qui a rejoint le petit convoi. Il y a des voitures que j'avais jamais vues, comme les Murcielago, les 430 Scuderia. Il y a de tout, comme chaque rasso, et c'est pour ça que c'est les meilleurs rassos. Bien évidemment, Conseil Sport Automobile sont venus, ils ont exposé les trois voitures. Bon, on les connaît déjà, on les a vues sur la chaîne. Donc la Nissan GT-R, la Aventador S et la AMG GT-R. C'est toujours sympa de les voir, surtout de l'extérieur, parce qu'on a l'habitude de les voir à l'intérieur, vu qu'elles sont garées dans le showroom. V6, V12, V8. DB11, V12. V12, on connaît avec les quatre petites aérations sur le capot en blanc, ça change. On va voir en gris, en noir. L'intérieur en noir aussi. Très très fan de ce blanc crème. Étrier rouge aussi. J'adore. C'est vraiment cool ce genre de journée, on rencontre plein de gens, plein de passionnés, on discute de voitures, on voit des modèles rares, modèles plutôt communs, c'est diversifié, puis c'est cool. Franchement, si vous avez des rassemblements à faire, faites-les, parce que c'est très très sympa à faire. C'est pas courant. Elle est très belle. J'ai vu à Grenoble celle-là. Rappelez-vous. Et du coup, je la revois ici. Trop classe. Exige 350 sports. Plutôt cool. On a la 488 Spider de Laurent qu'on avait déjà vu pas mal de fois à Grenoble. Je la refume un petit peu à l'intérieur. Le petit logo 488 Spider. Regardez les sièges. Merci d'être venu. Merci de nous avoir accueillis. Merci, merci encore. C'est sûr, franchement c'est super. Merci beaucoup. À la prochaine. Fin de la vidéo, fin du petit rassemblement. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de filmer le maximum de choses que je pouvais. On a vu énormément de voitures. Il y a des voitures que je ne m'attendais même pas. Regardez, ça y va dans tous les sens. Il y a vraiment une
très bonne ambiance et franchement, je suis très content d'être venu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, surtout à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!